Les amis, c'est Slap. On se retrouve aujourd'hui pour un glitch sur Assassin's Creed Valhalla. Un petit glitch des familles, ça fait plaisir. Petite vidéo parce que vas-y, les glitchs ça se fait patcher. Et dans ce glitch, on va faire quoi? On va récupérer deux items qui sont que récupérables dans la boutique avec des sous. Donc là, on les a genre gratuits, t'as vu? Genre, c'est trop bien. Mais il y a un petit hic, les amis, il y a un petit hic. Donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre le hic. C'est parti, je te montre ça. Ok, les armures qu'on va récupérer, les épaulières et le torse de Valkyrie, on va les récupérer dans le nouveau mode des raids. Le premier objet, c'est les épaulières. Elles se trouvent dans la première map. Ça s'appelle X, je crois, c'est ça. X, c'est la première map. Là, on va récupérer les épaulières. C'est parti. Ok, vous êtes arrivé au fleuve X. Et ben, il suffit d'aller juste à droite, là où il y a le mur de l'animus qui dit stop, on joue plus ici. Et en fait, quand vous regardez un petit peu là-bas, sur à 10 mètres à peine, et ben il y a une case rose, une espèce de case rose, genre c'est un bug presque. Qu'est-ce que ça fout là? Ça, les amis, c'est un coffre des développeurs. C'est là où ils mettent leur objet pour faire des tests et tout. Donc en fait, je pense chez Ubisoft, ça s'est passé comme ça. T'aurais pas laissé la caisse des développeurs derrière le mur de l'animus par hasard? Oui, mais il y a le mur de l'animus. C'est vrai que t'es un petit malin, Jonathan. Et donc nous, dans cette affaire, on va passer le mur, t'as compris les amis, ça va être marrant. C'est pas simple, je te le dis tout de suite, ok? Je te préviens tout de suite, c'est pas... ça va te saouler. Moi, il y a des moments, tu vas sauter, tu vas faire putain, ça me casse les couilles. Ok, pour sortir du mur les amis, il va falloir enlever ses armes. Premièrement, t'enlèves tes armes et il te faut la capacité attaque de sprint. Pour quand tu sprintes et que t'auras pas d'armes, tu fais light attack et ça met un double coup de pied sauté. Quand t'es au milieu de ton saut, t'auras un peu les pieds dans le mur de l'animus, tu vois. C'est là où il faut faire le pad vers le bas et tu sélectionnes le filet de pêche. Ça fait tout bugger en fait. C'est le truc qui fait tout bugger. À partir de là, il va falloir essayer de mettre la caméra là où tu veux aller. C'est-à-dire la caméra vers la boîte rose là. Ok, petit résumé. Donc, pas d'armes, tu utilises la compétence attaque de sprint. En sautant en plein milieu dans le mur, quand tu es au milieu de ce saut à peu près, pas du bas, tu choisis le lasso de pêche. Là, ça va foutre le mec à terre. Là, deux techniques. Soit tu fais que bouger le joystick droit pour aller pour mettre la caméra de l'autre côté. Et c'est là où ça fait bugger un peu. Soit tu vises et tu bouges le joystick droit aussi pour aller vers là-bas. Les deux ça marche, tu peux un peu jouer avec la gâchette pour forcer. Et c'est que à ce moment-là, quand t'es bien placé avec la caméra, que tu peux un peu bouger, quitter le truc, aller vers là-bas avec le joystick de mouvement. Et là, si ça a bien fonctionné, tu passes de l'autre côté. Si ça a bien fonctionné. Et là, quand t'as passé le mur, tu peux tout simplement aller récupérer comme un coffre la cape de Valkyrie qui est juste là. Le truc, c'est que pour partir du raid, il faut être sur son bateau. Là, je vous conseille de partir un peu plus au nord, parce que il y aura un terrain plat où c'est plus facile à le faire. Le hic, il est là les amis. Le hic, c'est que si tu joues en online, en fait, quand tu vas revenir à ton camp, tu vas perdre la cape. Tu vas me dire à quoi ça sert. Ah bah alors, le mec qui a créé, qui a découvert ce glitch, lui dit qu'il faut améliorer l'armure à fond. Mais gros, j'ai pas assez de fer ni de cuir pour améliorer à fond. Et il y a aussi Joe Raptor, le gros youtubeur Assassin's Creed, qui lui, dans sa vidéo, dit qu'il faut se déconnecter. Voilà, il faut se déconnecter de sa Wi-Fi. Donc tu fais ton truc en online, tranquille, il n'y a pas de problème. Tu te déconnectes de ta Wi-Fi avant de partir, de revenir à ton camp, pardon. Et là, ça marche. La vie de mer, ça marche. Tu as les épaulettes. La cape, pardon. Tu vas sauvegarder ta game. Et il dit, genre, tu reviens en online. Avec cette sauvegarde, tu recharges et t'as la cape. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Moi, ça marche pas en tout cas, les amis. Il y a plein de théories sur comment Il y a une technique sûre à 100% pour garder, c'est de jouer en hors ligne, tout simplement. Si vous jouez en hors ligne depuis le début, et ben vous pouvez garder ces armures qui sont que achetables. Voilà, il faut jouer hors ligne. Bon, je vous montre la dernière localisation pour récupérer aussi le torse. Le torse qui est grave stylé. C'est parti.
Ok, pour la pièce d'armure du torse, les amis, c'est sur le fleuve Di. C'est la troisième map des raids. Si vous n'avez pas cette troisième map, je vous invite à regarder la vidéo qui est au-dessus pour récupérer les deux indices de Saint-Georges et pour débloquer cette carte. Bref, c'est parti. Ok, quand on arrive sur fleuve Di, tout simplement, demi-tour direct. On va tout simplement juste au fond à droite, à 50 mètres derrière, même pas. Là, va y avoir pareil, le mur de l'animus et tout simplement, va falloir faire la même technique, les gars. Par contre, à un endroit bien précis, bien, donc regardez, c'est à peu près ici, voilà, c'est à peu près dans le coin. Pareil, tu sautes sans les armes, coup de pied en l'air, genre Olive et Tom, quand t'es en plein milieu du saut, le pad vers le bas, tu chopes la corde à poisson. Et là, alors là, ça change, là, ça change, là, il faut mettre sa caméra vers le haut, comme ça, tu regardes comme ça. Et là, si ça marche, tu gigotes un peu, tu joujouilles un peu comme ça, et tu mets la caméra vers le haut, pouf, tu tombes dans l'eau en bas. Et de là, quand t'es dans l'eau, tout simplement, derrière toi, il y a deux caisses roses. Il n'y en a qu'une seule que tu peux attraper, que tu peux récupérer. C'est là où il y a le torse, le torse Valkyrie. J'ai essayé de récupérer l'autre. Oh là là là, mauvaise idée, je suis tombé dans les abysses, mec. J'étais dans l'eau, genre mes jambes étaient dans l'eau, et mon torse, genre je nageais, et je tirais des flèches. Enfin bref, mec, en bas là, dans les ténèbres, je suis resté combien de temps? Je suis resté 3-4 minutes, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à récupérer mon chemin. Et donc quand t'as récupéré ces caisses, les amis, si t'as récupéré que le torse, tout simplement, il y a un caillou qui est pas loin du tout. Et ben, tu grimpes dessus pour revenir dans le monde des vivants. Et là, pareil, les amis, si vous trouvez une technique, comment tout simplement, moi, je joue en online et j'arrive pas à garder ces deux armures. Donc, c'est un peu décevant, mais en même temps, si quelqu'un arrive à avoir une technique sûre pour les avoir, eh ben, je ferai une update sur la vidéo. Et grâce à ce glitch, j'ai sorti une vidéo, je pense, c'est 2 heures après celle-là, je vais la sortir. Comment récupérer l'une des meilleures armes du jeu avant la fin du jeu, je l'ai déjà dit, je pense. Donc voilà les amis, si ça t'a plu, si voilà, un petit like, un petit abonnement pour me soutenir les amis. Merci encore de me suivre et d'aimer mon contenu. On se retrouve. On fait comme ça.